Salut tout le monde, c'est Barry Onyx et on se retrouve pour la suite de Stalker Shadow of Chernobyl défi. Alors, on va passer à la prochaine. Voilà. Alors, on va s'occuper des trois bandits pour délivrer, je sais plus le nom de ce gars. On va faire ça bien. Alors, il y en a un qui a. Ouais, lui. Un MP5. Ah, ils l'ont tué. Bon. Dommage. Ok. Écoutez, ici le commandant de l'unité neutre. On a fait sortir les bandits de cette casse pourrie. On attend une contre-attaque. On n'est pas nombreux, alors tous ceux qui veulent donner un coup de main sont les bienvenus. C'est lequel que j'ai, c'est... Ouais, c'est bon. Ok. Yorick. Ouais, malheureusement, j'ai pas réussi à te sauver. Bon. Allez, on va aller voir... Bess, je crois qu'il s'appelle. Ouais, c'est Bess. Et l'autre, c'est Eri, après. Alors, continue. Ok, je vais vous aider. À plus. Alors, je vais prendre les munitions qu'il y a ici. Voilà. Très bien. Je vais pas m'encombrer hein, avec des munitions de 5.45x39 parce que bon, moi, je dois utiliser le MP5. Ils arrivent ! Ils arrivent ! Manger le saucisson. Bien joué, les gars. Délice du touriste. Putain, mais la souris dans les menus, elle est pas... Elle est lente, je trouve. C'est pas spécialement... génial, là. Alors. Je vais me mettre à ma position habituelle. Quand ils vont tout se ramener, position. Je vais les flinguer. Laissez-les voilà. S'approcher. Ça fera des cibles. Birigish. Voilà. Nickel. On reste encore. Est-ce qu'il faut deux fois toucher la récompense là, le message? Il est où l'autre? Il y en a un qui se barre par là à chaque fois. Ouais, voilà. On a entendu un derrière. Il est où? Oula! Ok, parfait. Beau boulot, les gars. On les a massacrés. Reposez-vous un peu. Et toi, le stalker, viens par là qu'on discute. Bon, lui est un peu plus... Il est en meilleur état. Alors... Il me faut des munitions 9 mm. Je vais vraiment en avoir besoin. Je vais pas prendre non plus toutes les armes. Hein. 33, oh, c'est un peu beaucoup. Hein. Je vais plutôt. Quoique pour les vendre. Ouais. Alors, je vais aller voir le. Je vais voir Bess. Il est où? C'est lui? Ouais, c'est lui. Avec son. AK-74U. Avec silencieux. Alors maintenant on va aller voir Seiri.
Alors là, il y a des bandits qui se trouvent près des trucs bétonnés, là. Attendez. Putain, il y en a deux là-bas, en plus. Oula, il y a toute la smala qui se ramène, aussi. Ah bah je l'ai eu. Hop, là je crois qu'il y a des munitions à mettre. Ouais, c'est bien ça. Nickel. Et là, des medikits. Il n'y a rien. Mais alors, hein. Ok. Ah bah c'est le bandit qui s'est fait attraper, moi. Bonne nouvelle. Passé un sale moment. Ah, il est encore en l'air. C'est bon, il est mort. Je vais voir si sur les cadavres, si, eh ben, y a, apparemment, ouais, non, il n'y a pas de 9 mm. Hein. Allez. Ah, il y en a un qui est mort, là. Dis donc. Bon. Bah, comme vous pouvez le voir, c'est un charmant lieu de vacances. Ah, là-bas, à tous ceux qui m'entendent, on a été attaqué par un groupe de bandits. On a besoin d'aide. On est dans la merde, mes frères. Aidez-nous. Les bandits sont devenus fous. Quelqu'un m'entend? On est mort. D'abord à repousser cette vermine, mon frère. On parlera plus tard. Vous routiez, Kto-nibudz. Prends le premier kit de secours et on y va. En espérant qu'on ne pousse pas. Voilà, il me pousse. Ça, c'est vraiment le truc hyper chiant, quoi. Oh là 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 là. On a encore... Cool. Du 9 mm à foison. Non, ça, ça va être... Ouais. Putain, c'est bizarre, la souris, elle est très lente dans les menus, mais elle est super rapide dans les... comment dire, dans... Quand je vise, quoi, c'est assez perturbant. Alors, je sais que des fois, ils passent... par derrière, ils font le tour du bâtiment. Ok, ouais. Un no chique briquet, evdanke. Oh, FMJ. Thank you.
C'est bizarre parce que normalement, eux, c'est pas la peine de les tuer. C'est juste ceux qui sont à l'intérieur. Ah bah non, c'est bon. On les a massacrés. Reposez-vous un peu. Et toi, le stalker, viens par là qu'on discute. J'arrive. Siri. Bon, ouais, je cherche Strelok, patati patata. Là, je vais chercher la planque. On va voir ce qu'il y a dedans. Mais... il y a un régénérateur de base. J'en ai deux, du coup. C'est vrai que si j'ai un problème de santé, je peux mettre les régénérateurs de base. Après, je serai plus sensible aux impacts, aux entailles et tout ça, mais bon. Alors, on va prendre le temps de faire le plein, tout ça. Alors, hop. Ouais, donc lui, il est en meilleur état. Voilà. Là, c'est chiant qu'on peut pas savoir quelle arme on a en main, en fait. Ça, ils ont corrigé ça dans les prochains Stalkers. Mais dans cet opus-là, on est un peu obligé d'y aller un peu à l'aveugle. Ah, y a encore un bandit qui se ramène. Alors, hop... Bon, il est en meilleur état. Un chouïa en meilleur état. Ça, c'est un croque-mort. Ou un barbac. Alors, hop. Les petites munitions qui vont bien. Voilà. Hop. Faut vraiment que je fasse le plein de munitions parce que ça va être dur après hein. Ça va être que du 5,45 et ça risquerait de devenir un peu compliqué. Voilà, là, ok. En plus je peux pas réparer mes armes. À canon scié. Ouais, je pense pas qu'il aura de munitions. Bon, c'est bon. Ah, un artefact méduse. Et allez. Hey, faut que tu me files un coup de main, mec. Les militaires vont anéantir le groupe de la côte. On a besoin de l'aide de tout le monde. Merde. Des militaires des forces d'assaut aériennes. Nos garçons là. Partons, maintenant. Fleur protectrice. Le stalker qui se balade normal au milieu de la. Alors, j'ai une idée. Un truc que je fais à chaque fois ici, je balance ma grenade dans cette direction. Parce qu'elle est militaire là. Ça passe. Ça c'est bien! Bastonne. Voilà, là, ça, à partir de ce moment-là du jeu, ce sera beaucoup de munitions 5,45, 3,39. Donc ça va être un peu... pour moi, là.
Donnez-moi mes frères! On arrive. Ah, il y a un soldat de l'armée là qui est en mode PLS. Ça, t'es trop! C'est bon? C'est bon. Oh là 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 là. Ça va être dur. Ça va être dur. Avec que du 9 mm là, à partir de là. Ça va être difficile. Bon. Ne traînons pas, merci, mec. Merci, vieux. Tu m'as sauvé la vie. Mettez-moi une. Les troufions ne lâchent jamais prise. On doit mettre les voiles avant que le détachement spécial arrive. Bien, je vais te guider. Vas-y, montre-moi. Enfin, je sais où c'est, mais bon. Et directement, d'ailleurs. Alors, non, je vais pas aller par là. Il y a un... Ouais, c'est lui qui était en train d'agoniser. Pour attendre la fin de l'attaque. Terrain m'a révélé ce que tu cherchais. C'est sous terre, par ici, quelque part, mais... je sais pas où exactement. Fais gaffe à toi. Bonne chance. On y va. Bon, et ben écoutez, ce sera tout pour cet épisode. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur Stalker Shadow of Tchernobyl. Prenez soin de vous, et ciao tout le monde.